le boulevard triomphal. Nous terminons en ce jour notre méditation sur le livre de Judith. En cette année du discernement et de l'anéantissement du plan de Satan, le message divin est tout simple. Satan, représenté par Holoferne dans ce livre, sera vaincu par Judith, une femme qui représente ici les faibles et les humbles attachés au Seigneur. Nous rejoignons ici la kénose du Christ. C'est en s'anéantissant que le Seigneur Jésus a anéanti Satan. C'est en se dépouillant qu'il a dépouillé Satan. C'est en mourant qu'il a tué la mort. Durant cette année, car ce livre a été choisi pour nous aider à intérioriser le thème de l'année. Nous l'intériorisons jusqu'au mois de mai. Durant cette année, méditons sur David écroulant Goliath, sur la femme de Thébesh tuant Abimelech, sur Jaël éliminant Sisera, sur Judith décapitant Holoferne. Nous avons choisi le thème boulevard triomphal pour dire à chacun que c'est là qu'il doit vivre, c'est là qu'il doit mourir et c'est là qu'il doit laisser sa postérité. Donc, le livre de Judith nous dit quoi? En gros, pour discerner et anéantir le plan de Satan, il faut s'anéantir soi-même. Parce que Judith, qui a triomphé du grand Holoferne, du grand Nabucodonosor, c'était une femme. La femme symbolise ici dans le texte la faiblesse. Aucun homme n'aurait pu penser que c'est Judith qui sauverait Israël de la méchanceté d'Holoferne. Dieu, à travers la victoire de Judith, a pris tout le monde de court. Il a surpris tout le monde. Alors, si nous, nous voulons anéantir le plan de Satan, nous devons devenir des Judith, des hommes et des femmes simples, humbles. Si nous sommes orgueilleux, nous devenons d'autres Satan. Et Satan ne peut pas chasser Satan. Pour chasser Satan, pour anéantir son plan, il faut être humble. C'est ce que Jésus a dit, a fait Christ Jésus des conditions divines. Ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est anéanti, il s'est dépouillé. Il est devenu semblable aux hommes, il s'est même fait esclave, obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Ah, puisqu'il s'est ainsi anéanti, puisqu'il a ainsi obéi, puisqu'il s'est ainsi dépouillé, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, la meilleure manière en résumé, je résume le livre et l'enseignement, si nous voulons anéantir le plan de Satan, luttons contre notre orgueil. Regardez dans les exemples que je donne. Dans tous ces exemples, ce sont les petits qui ont battu les orgueilleux. David a battu Goliath. Judith a tué Holoferne. La femme de Thébesh a tué Abimelech. Jaël a tué Sisera. Les orgueilleux ont été tués par les humbles. Recherchons donc l'humilité. Soyons petits et Dieu nous donnera de l'emporter sur les grands. Amen. Ne ressemble pas à Satan. La plus grande caractéristique de Satan, c'est l'orgueil. Si tu es orgueilleux, tu ne pourras pas chasser Satan. Parce que Satan ne peut chasser Satan. Qu'on te connaisse partout comme un garçon humble, une fille humble, un papa humble, une maman humble. Amen. J'ai 5 points. Premier point, ils fuiront devant toi. Deuxième point, dans leur fuite, ils te laisseront un butin. C'est-à-dire, ils ne vont pas fuir avec les choses dont ils t'ont privé. Ils vont les laisser. Ils vont fuir, tu auras le butin. Et une fois que tu auras le butin, tu honoreras Judith. Et après avoir honoré Judith, Judith elle-même chantera un chant nouveau. Et à la fin, tout se terminera bien. Happy end. Ce sera une fin heureuse. Voilà le résumé de l'enseignement. Premier point, ils fuiront devant toi. Holoferne décapité, les Assyriens prirent peur et commencèrent à se disperser sans plus se préoccuper les uns les autres. Alors les Israélites
Tous ceux qui étaient en âge de se battre fondirent sur eux. Comme ils ont commencé à fuir, tous ont profité pour commencer à les battre. Ils fuyaient déjà, donc ils ont peur. On a tué leur chef, on a tué Holoferne. On ne voit pas sa tête. Ils cherchent la tête d'Holoferne, ils ne le trouvent pas. Donc on a emporté sa tête. Ah, comment on va gagner maintenant? Notre chef a été décapité. Il y a une promesse sur la fuite de ses ennemis qui nous étouffent et nous mettent mal à l'aise. Yahweh mettra en fuite devant toi les ennemis qui t'avaient envahi par un seul chemin. Ils étaient venus contre toi, par sept chemins ils s'enfuiront devant toi. Deutéronome 28, verset 7. Tes ennemis fuiront. Nous sommes plus des chasseurs de démons, des chasseurs de sorciers. Nous devons être ceux devant qui les démons, les sorciers détalent, que les sorciers et les démons détalent devant toi, qu'ils fuient devant toi. Ne sois pas seulement un chasseur de démons, parce que chasser quelqu'un, ça ne signifie pas qu'il va partir. Tu peux chasser quelqu'un, il refuse. Regardez ici ce qui est arrivé avec Israël. On a seulement décapité Holoferne, les autres ont commencé à fuir. Que tes ennemis fuient devant toi. Que tes ennemis fuient devant toi. Même quand tu ne les chasses pas, mais qu'ils fuient devant toi. Ils doivent voir nos trophées. Ils doivent voir nos trophées de guerre. Ils doivent lire nos CV de combattants et de champions spirituels. Ils doivent voir en nos mains les prémices de notre victoire, la tête de leur héros et s'enfuir. Bien-aimé, c'est ça qui doit arriver dans ta vie. Et tes ennemis voyant tes trophées, tes victoires, la tête de l'Holoferne entre tes mains, qu'ils puissent fuir. C'est pourquoi le chrétien ne blague pas avec ce qu'il fait. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, c'est toujours un lieu de ta victoire ou de ta défaite. Ta victoire découragera l'ennemi, le fera fuir. Mais ta défaite l'encouragera. Tu viens à la prière, tu as sommeil, tu dors. Tu viens à la prière, tu as envie de sortir, tu sors. Tu as la prière, on te fait un bip, tu sors pour appeler. Ce sont des défaites qui encouragent Satan à te combattre. Mais le jour où tu viendras après, tu dis aujourd'hui, je ferme le téléphone, je suis à la prière, j'éteins mon téléphone, je vais prier. Et les gens, on t'a appelé, tu étais en prière. Je veux voir l'appel que tu vas rater. Mais tous ces jours, tu as le téléphone ouvert, tu es devant Dieu avec un téléphone ouvert, espérant un appel. Tu n'en auras pas, tu attendras longtemps. Il faut être des hommes pieux, il faut que les diables te craignent. Que les diables disent, celui-ci, s'il est déjà entré à la prière, c'est fini, on ne l'aura pas. Celui-ci, s'il commence les histoires ici, mais nous sommes des chrétiens, tu es à la prière, incapable de rester toute la journée en prière. Ce sont tes victoires, tes trophées qui vont effrayer les démons. Gagne, gagne, gagne. C'est ça, résister au diable, il fuira loin de vous. Si tu lui résistes, il va commencer à te fuir. Ils te disent, va un peu dehors, voir. Non, arrive un peu en retard à la prière. Non, ne prie pas ce soir. Je prie. Prie assis sur les lits. Je me mets à genoux. Comme tu résistes au diable, il va fuir. C'est bien que tu dis ici, oh, les ennemis fuiront. Mais les ennemis fuiront quand? Les ennemis d'Israël ont fui quand ils ont vu Holoferne décapité. Mais toi, les ennemis vont fuir parce qu'ils ont vu quoi? Qu'ont-ils vu dans ta vie pour qu'ils fuient? Tu viens à l'église, donne l'offrande, problème. Danse pour ton Dieu, problème. Mets-toi debout, problème. Tu ne résistes à rien. Tout ce que Satan te dit, tu obéis. Mais comment l'ennemi va fuir? Il ne va pas fuir. Il ne te craint pas. Tu n'es pas fort. Mais quand il voit la tête coupée, il a beaucoup dit de choses dans ta tête. C'est ça que je disais l'autre fois là, le Real Madrid. Moi je suis de Barcelone, hein, mais je tire une leçon du Real Madrid. Que le Real Madrid, vous jouez avec lui, ne les laissez pas marquer. S'il marque, c'est votre problème. Même en dernière minute, c'est votre problème. Faites tout pour qu'il ne marque pas. Parce que dès qu'il marque, lui, il a la force. Et puis toi maintenant, c'est toi qui as des problèmes dans ta tête. Tu commences à dire, ils vont encore marquer, ils vont marquer. Tu vas commettre erreur, il y aura pénalité. Le diable, c'est comme le Real Madrid. S'il marque, il va encore marquer. Et le Real Madrid, ça doit être comme toi. Si tu as marqué, marque encore. Mais la mentalité là, c'est ce que on dit, Benzema a dit. Il a dit, bon, nous, Real Madrid et le Manchester, nous avons le même niveau. Mais celui qui va gagner,
C'est celui qui aura le mental fort. Or, comment? Qu'est-ce qui renforce le mental? Ce sont les victoires, ce sont les trophées, c'est le CV. Tu as quel CV? Le diable, quand il regarde, je l'ai battu. Celui-ci, si je lui dis, il y a la prière, je lui dis, rentre un peu à la maison, il m'obéit. Il va faire quoi? Il y a des gens parfois qui sortent de la prière pour appeler. Il y en a qu'on appelle, mais d'autres sortent pour aller appeler. Allô? Je voulais seulement te dire bonjour, ça va? Ok. Nous sommes en prière, hein? Que Dieu vous bénisse. Hein? Comment avec ça tu vas gagner? Comment avec ça tu vas gagner? En jeune Afrique, j'étais encore jeune, un livre sur Sékou Touré. On disait qu'il y avait des équipes africaines, j'ai oublié les noms des équipes, le premier féticheur, son fétiche consistant dans le fait que tant que le président restera assis pendant tout le match, on ne marquera pas. L'autre féticheur est allé découvrir justement que c'était ça le fétiche. Si le président est assis, vous ne marquez pas. Or le président, c'est difficile qu'il s'élève au match. Il est toujours assis. Alors l'autre féticheur a découvert ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé au président la diarrhée. Et le président était au stade. Minute. Oh, je vais aller me soulager. Quand il part, on marque. Toutes les fois que le président s'est levé, pour aller sur ça, on a marqué. Même les garçons. Tu es un garçon, tu pries, merci beaucoup. Mais quand cette fille-là t'appelle, tu oublies tous les enseignements. Tu ne résistes même pas. Mais le diable te connaît. Il sait que ah, ça, c'est un petit. C'est mon petit. Le diable, toi, c'est. Ah, celui-ci. C'est un résistant. Et quand le diable te met sur la liste des résistants, il te fouille. Tu es un jeune garçon, tu es assis seulement. Idée, masturbation, tu te masturbes. Vole, tu voles. Trompe, tu trompes. Mange, tu manges. Ne te mets pas à genoux. Tu obéis à tout. Mais le diable va te fouiller comment? Ce sont tes victoires, tes trophées, ton CV qui feront fuir tes ennemis. Comme dans le livre de Judith. Souvent les bénédictions, les élévations, les onctions, les avant-goûts de nos victoires nous amènent la guerre. C'est ce qui arrive souvent. Quand Dieu te bénit, tu as des guerres. Mais dans ce texte, la tête d'Holoferne, le trophée de guerre dont dispose Israël, amène la fuite des ennemis et par conséquent, la paix d'Israël. Nos fondations, les prémices de nos victoires doivent crier à l'ennemi. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant la pierre de couronnement dans les mains de Zorobabel. Donc, la tête d'Holoferne, ce sont tous ces faibles commencements. Parce qu'on peut dire, un homme logique allait dire, mais toi tu amènes seulement la tête d'Holoferne, mais toute l'armée est restée là-bas, non? Une femme vous amène la tête d'Holoferne, dit voilà, j'ai la tête d'Holoferne, c'est fini, vous allez gagner, non? Ce sont des faibles commencements. Il fallait que le peuple d'Israël ait la foi, qu'ils se disent, comme nous avons eu la tête d'Holoferne, le reste va fuir. C'est un faible commencement, parce que par rapport à une armée, il y a des armées qui se battent quand leur général meurt. Mais ici, c'est Dieu qui a voulu ça, pour nous enseigner, à toi et à moi, que les faibles commencements sont porteurs des conclusions glorieuses. Les faibles commencements portent des caches des conclusions glorieuses. C'est à toi de les élever. Dès que tu as quelque chose, un CV, une victoire, utilise-la, capitalise-la pour tes victoires futures. J'ai été prêché sur David. Il a dit, j'ai déjà tué un lion, j'ai déjà tué un ours, je tuerai Goliath. Inventorie tes victoires et capitalise-les pour ton futur. Chaque fois que nous commençons une entreprise, nous devons la considérer comme étant notre arche de l'alliance. Et notre cri doit être, lève-toi Yahweh, que tes ennemis se dispersent, que ceux qui te haïssent fuient devant toi. Nombre 10, 35. Lorsque tu commences quelque chose, considère cette chose-là comme l'arche de l'alliance. Et lève-toi avec cette arche. Quand Israël s'est levé avec l'arche, Israël disait, lève-toi Yahweh, que tes ennemis se dispersent, que ceux qui te haïssent fuient devant toi. Amen. Dès que tu as, on t'a envoyé de l'argent,
On t'a donné un peu d'argent. On t'a donné 10 000 francs. Prends les 10 000 francs et lève-les. Dis, lève-toi Yahweh, que tes ennemis se dispersent, que ceux qui te haïssent fuient devant toi. Parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, n'ont pas eu 10 000 francs. Demande à ton voisin, aujourd'hui, tu as eu 10 000 francs. Tous ceux qui ont eu 10 000 francs, dans les 10 000 francs-là, se cache le faible commencement. Considère ça comme un trophée. Dis à Dieu, comme j'ai eu 10 000 francs, j'aurai 100 dollars. Quand j'aurai 100 dollars, j'aurai 1 000 dollars. Et ainsi de suite, c'est la série. Chaque fois que tu as quelque chose, c'est pour ça que dans la vie, nous ne gagnons pas. Nous ne capitalisons pas l'opinion de victoire. Ah, c'est rien. Il faut amener plutôt la tête de tous les généraux, de tous les militaires. Comme ça, nous allons croire. Mais la tête seulement d'un homme, c'est rien. Mais Israël a pris la tête d'Holoferne au sérieux. Il dit non, cette tête cache d'autres vies, victoire. Amen. Lève-toi, Yahweh, que tes ennemis se dispersent, que ceux qui te haïssent fuient devant toi. Tu as un petit salaire, on t'a envoyé un message de l'argent par Orange Money. Un peu ça, dès que tu as l'argent, utilise cet argent-là comme l'arche de l'Alliance. Comme l'arche de l'Alliance présente. Amen. Amen. Présente ça. Tu vois, par exemple, quand tu gagnes et que tu ne te réjouis pas, ça signifie quoi? Que tu es de l'autre équipe. Ou c'est ton ancienne équipe. Tu vois, par exemple, Cristiano Ronaldo aujourd'hui, s'il joue contre le Real Madrid, s'il marque, normalement, il ne doit pas beaucoup se réjouir. Il doit même s'excuser. Vous avez déjà vu? Les transfuges, c'est comme ça qu'ils font. Vous voyez, quand Samuel Eto'o, le Real Madrid s'est qualifié, alors Samuel Eto'o a publié sur Instagram un message où il dit « Félicitations Real Madrid, c'est là que j'ai commencé. » Parce que Samuel Eto'o était d'abord joueur du Real. Et le Real l'a trouvé moindre. Ils l'ont envoyé à Mallorca. Et à Mallorca où il est allé, c'est là qu'il est devenu grand et le Barça l'a recruté. Mais quand il est venu en Espagne, c'était pour jouer au Real Madrid. Alors à Mallorca, c'est là qu'il est devenu un grand et le Barça l'a recruté. Alors, il a publié sur Instagram un message où il félicitait le Real Madrid. Alors, les gens du Barça sont fâchés. Pourquoi tu écris ça? Tu nous fais honte. Il a dû effacer. C'est dans ce monde-là, c'est comme ça. Pour vous dire quoi? Alors, si vous êtes chrétien, vous marquez un but. Donc, normalement, le 10 000 francs que vous avez, c'est comme un but que vous avez marqué contre Satan. Si vous ne vous réjouissez pas, donc, vous êtes encore fidèle à votre ancienne équipe. Parce que c'est un but. De vous réjouir. Il n'y a que les transfuges qui refusent de se réjouir parce que je suis redevable envers cette équipe. Je ne peux pas quand même faire ça. Amen. Quand Dieu te bénit, réjouis-toi. Et inventorie, capitalise toutes ces victoires. Considère-les comme l'arche de l'Alliance et effraie avec l'ennemi. Quand Judith a coupé la tête de l'Holoferne, on l'a mise au mur. Pour que tout le monde puisse la voir. C'est une stratégie de combat. Quand tu as gagné, sois joyeux. Je vous ai déjà prêché maintes et une fois que la joie est une grande arme dans le combat spirituel. S'il y a des gens qui ne savent pas ça, c'est leur problème. Si tu penses qu'en étant triste, c'est comme ça que tu gagneras. Tu perdras toujours et les batailles et les guerres. Le combat, toute guerre, c'est le mental. Quand l'ennemi te voit sourire, quand l'ennemi te voit heureux, l'ennemi est inquiet. Mais quand l'ennemi te voit triste, préoccupé, l'ennemi est très content. Amen. Les victoires. Et au-dessus de toutes les victoires, tu vas présenter celle de Golgotha. Tu vas dire aux sorciers, regardez, Jésus vous a vaincu à Golgotha. Dans cette victoire, je suis diplômé, je suis licencié. Tu vas donc présenter, utiliser comme Israël, comme Judith, la tête d'Holoferne, la victoire de Jésus sur la croix et tes autres. Nombre 10, 35 dit, lève-toi, lève-toi. La tête de Dieu est assis, qu'il s'élève seulement. Même s'il ne dit rien, qu'il voit sa taille, ils le fuiront. Je n'ai pas besoin que tu parles, je n'ai pas besoin que tu touches, j'ai besoin que tu t'élèves simplement. Lève-toi seulement. Nous disons qu'il est assis sur un trône de gloire. Et là, tu lui demandes de s'élever seulement. Qu'il s'élève et qu'il voit sa taille. Et ils vont fuir. Deux, les dividendes de la fuite de l'ennemi. Après la fuite en débandade des Assyriens, les enfants d'Israël pillèrent leur camp pendant 30 jours et amassèrent un énorme but.
prudent. Ici, ils disent, avant ça, on dit, quant aux autres demeurés à Béthulie, ils se jetèrent sur le camp d'Assur, les pierres s'enrichirent extrêmement. Ils amassèrent un grand butin. Ils s'enrichirent extrêmement. Pendant 30 jours, pillage. La fuite des démons, de nos ennemis, doit nous être profitable, bénéfique, rentable. Nous ne devons pas nous contenter de nos trophées de guerre. Dans l'antiquité grecque et romaine, trophée signifie dépouille d'un ennemi vaincu. Le trophée, c'est tout ce que l'ennemi a laissé là. C'est ça qu'on appelle le trophée. Il nous faut ramasser l'énorme butin laissé par l'ennemi, ce qui est pris à l'ennemi lors d'un conflit armé. La vraie victoire doit avoir les étapes suivantes. Décapiter Holoferne, faire fuir toute l'armée ennemie, ramasser l'énorme butin et demeurer dans ce boulevard triomphal. Beaucoup de chrétiens se targuent, se vantent d'avoir chassé ou fait fuir les démons, les sorciers, les porte-malheurs. Mais on ne voit pas dans leur vie les dividendes, les bénéfices de cette fuite. Chaque jour, les démons fuient. Nous les chassons, ils fuient. Mais il faut qu'on voit dans nos vies les dividendes. Quand ils fuient, ils partent les mains vides. Ils ne doivent rien emporter. Ils ont fui avec ton mariage. Ils fuient avec ta richesse. Quand ils fuient, ils doivent laisser des choses. Tout ce qu'ils t'ont pris là, ils doivent le laisser. Amen. Oh, les ennemis, nous chassons les ennemis. Tu chasses les ennemis, mais ta vie ne change pas. Les ennemis ont fui, on doit avoir le butin. Écoutez, ces chrétiens ont la tête d'Holoferne, mais il leur manque son butin. La Bible rapproche la joie messianique à celle qu'éprouvent les soldats au partage du butin. Isaïe 9 dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On dit, on se réjouit comme au jour où on partage le butin. Donc, quand on partage le butin, on est content. L'ennemi a déjà fui. Nous jouissons de toutes ses provisions. C'est une grande joie. Vous êtes resté longtemps. L'ennemi vous a assiégé. Vous mouriez de faim. Et tout d'un coup, l'ennemi fuit et vous laisse tout. Vous ramassez sans travailler. Ça fait de la joie. Alors, eux, ils ont fait 30 jours ramassant le butin. Le diable, les démons, les sorciers qui fuient nos vies doivent partir les mains vides. On dit, ils renvoient les puissants les mains vides. Luc 1, 53. Nous ne devons pas quitter l'Égypte sans avoir dépouillé les Égyptiens. Lisons ce texte. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. Exode 3, 21 à 22. Le peuple d'Israël doit quitter l'Égypte. Mais Dieu dit, vous n'allez pas partir les mains vides. Vous quittez l'Égypte. Vous avez travaillé durant des siècles. Des siècles vous avez travaillé ici. Et maintenant vous partez les mains vides. Pas question. Vous allez dépouiller ces gens-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Israël avait ses sacs. Tu vois un peuple qui est en train de déménager avec des sacs. Et Dieu leur dit, avec vos sacs en main, vous allez emprunter chez les Égyptiens des objets d'argent, d'or, des vêtements. Donc vous allez chez un Égyptien. Papa, vous êtes en train de partir. Hein? Prête-moi un peu tes bijoux en or. Tu as les bagages. Quelle est la réaction de l'Égyptien? Tu vas me remettre. Hein? Tu vas lui emprunter ses vêtements. Prête-moi tes vêtements. Mais tu as les bagages. Tu es en train de partir. Dieu dit, je vous ferai gagner la faveur des Égyptiens. Même si vous avez vos bagages. Amen. Ils vont vous prêter ces choses. Parce que moi, je vous ferai gagner leur faveur. Ils vous donneront. Ils vous donneront. De la poussière. De la poussière. Des objets d'art. Des objets d'eau. Et des vêtements.
Ils vont vous donner alors que vous avez des bagages. Vous êtes en train de partir. Parce que moi, je vous ferai gagner leur faveur. Parce que Dieu veut leur dire, non, laissez d'abord vos bagages. Non, quand vous serez en train de partir là. Et Dieu dit, c'est de cette manière que je dépouillerai les Égyptiens. Pillage autorisé. Vous les pillerez avec mon autorisation. Vous avez travaillé pendant de longues années, ils ne vous ont pas payé. Alors vous ne rentrerez pas les mains vides. Vous les dépouillerez. Que Dieu te fasse gagner la faveur. Que malgré les apparences, les gens te donnent ce que Dieu a décidé pour toi. Parce qu'il y a des gens qui ratent des grâces et des bénédictions seulement parce qu'on te regarde. Oh, mais toi tu as des bagages, tu voyages, non? Si on te donne, tu vas remettre quand? Non, mais Dieu dit, je vous ferai gagner la faveur. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement son égard, même ses ennemis. Dis à ton voisin, tu ne partiras pas les mains vides. Ce sont les ennemis qui fuiront les mains vides. Oh, j'ai chassé les démons. Mais tu as chassé les démons dans la fuite là. Ils sont partis avec le mariage. Ils sont partis avec le voyage. Ils sont partis avec la richesse. Ils doivent partir. On a dit Dieu les a dispersés. Il les a renvoyés les mains vides. Nous allons dire à Dieu que ces ennemis qui fuient là, que ces ennemis que tu chasses là, partent les mains vides. Qu'ils fuient seuls. Qu'ils ne partent pas avec ce qui t'appartient. Qu'il y ait des dividendes de leur fuite. Que leur fuite te soit profitable. Chaque jour, tu les chasses. Chaque jour, ils fuient. Alors, il faut que dans ta vie, on voit les dividendes de leur fuite. Prie le Seigneur maintenant. Dis-lui les dividendes, les gains, les bénéfices de la fuite des ennemis dans ma vie. Ils ne peuvent pas fuir avec ta fécondité, avec ta richesse, avec ta promotion, avec ta santé. Non, ils doivent partir les mains vides. Ils doivent partir les mains vides. Quand ils partent, je dois me marier, je dois avancer. Comme ils partent, je dois avoir des enfants, je dois progresser. Leur départ doit être ma victoire. Quand ils partent, ma vie ne peut pas être la même. Ne peut plus être la même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La faveur même de tes ennemis. Parce qu'on dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Au travail, tu n'as pas la faveur. Et tu t'es mis dans le camp des opposants. Parce que les chefs ne t'aiment pas. Parce que les chefs ne te supportent pas. Mais il y a un Dieu qui dit, je te ferai gagner la faveur. Tu es à la maison, tu te plains. Papa ne m'aime pas, maman ne m'aime pas, l'oncle ne m'aime pas. Mais il y a un Dieu qui fait gagner la faveur. Un Dieu qui te fait aimer. Que Dieu te fasse aimer. Que Dieu te donne de gagner la faveur. La faveur des bienfaiteurs, tes chefs, de ton mari, de ta femme, de tes parents. Et souvent dans nos vies, les bénédictions nous amènent la guerre. Mais ici, on voit que les bénédictions amènent encore la victoire. Ah, je travaille quelque part, on me paye $300. Et depuis que j'ai eu ce travail, j'ai eu beaucoup de combats. Combats pour $300. Que les victoires m'amènent d'autres victoires. Que les victoires de mes enfants ne leur amènent pas la guerre, mais d'autres victoires. Victoire sur victoire, grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction. Que les sorciers ne profitent pas. Que tes victoires effrayent l'ennemi. Que celui qui voit ta nomination te craigne au lieu de t'attaquer. Que celui qui voit ton élévation te craigne au lieu de t'attaquer. Toi, à tout Seigneur, tout honneur. Judith a reçu les louanges des gens de Béthulie. À présent, c'est le grand prêtre Joachim. Joachim et le conseil des anciens de Jérusalem viennent rendre aussi grâce à Dieu et féliciter Judith en ces termes. Lisons ensemble. Tu es la gloire de Jérusalem.
Tu es le suprême orgueil d'Israël. Tu es le grand honneur de notre race. En accomplissant tout cela de ta main, tu as bien mérité d'Israël. Et Dieu a ratifié ce que tu as fait. Béni sois-tu par le Seigneur Tout-Puissant dans la suite des temps. Judith 15, 9 à 10. Ces paroles, on les a mises dans une chanson à la Vierge Marie. Donc on a repris les paroles dites à Judith. Tu es la gloire de Jérusalem. On pourrait dire, mais la gloire de Jérusalem, c'est l'Éternel. Mais on dit à Judith, une personne, tu es la gloire de Jérusalem. Tu es le suprême orgueil d'Israël. Tu es le grand honneur de notre race. En accomplissant tout cela de ta main, tu as bien mérité d'Israël. Tu mérites Israël. Et Dieu a ratifié ce que tu as fait. Et on dit, béni sois-tu par le Seigneur Tout-Puissant dans la suite des temps. À tout Seigneur, Joachim, les anciens et le peuple de Béthulie nous apprennent qu'il faut rendre à chacun son honneur selon son rang, ses qualités et ses mérites. À tout Seigneur, tout honneur. Le nom de Judith signifie louer, féliciter. Il y a des gens qui s'appellent féliciter. C'est Judith. Louer, la féliciter. Celle qu'on félicite, celle qu'on loue. Et c'est de là que vient le mot Judas, le verbe vient de là. Judas, tes frères te loueront. C'est un jeu de mots. Judas, le louer, tes frères te loueront. Judith, tes frères te loueront. Parce que Judith signifie la louer. La louer sera louée. Parce que tu peux porter le nom de Judith, mais on ne te loue pas. Il faut que quand tu portes le nom de Judith, qu'on puisse te louer. Parce que la louer, Judas, tes frères te louent. Tes frères feront ton éloge. Ta main pèsera sur le cou de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Genèse 49, 8. Et vous savez que toutes ces promesses visent le lion de la tribu de Judas. Sa main sur la nuque de ses ennemis. Que Dieu mette ta main sur la nuque de tes ennemis. C'est-à-dire, sois plus fort qu'eux. Frappe-les. Bats-les. Triomphe d'eux. Au nom de Dieu. On loue Judith. La prophétie contenue dans le nom de Judith s'accomplit dans tout ce que firent les contemporains de Judith pour honorer la meilleure d'entre eux. Elle reçoit la meilleure part du butin. Ils disent, on te donne la terre d'Holoferne, toute sa vaisselle d'argent, sa literie, ses bassins et tous ses meubles. Judith, tu prends. C'est toi qui as gagné. C'est toi qui as battu Holoferne. Alors, tu prends sa terre. Tu prends toute sa vaisselle d'argent. Tu prends sa literie, son lit là, prends-le. Et toute la literie, dont les draps, les couvertures, les oreillers, tu prends tout. Tous les biens de sa chambre là, c'est toi qui vas prendre ça. Tu prends ses bassins, tu vas prendre ça. Et tous ses meubles, ses chaises, tous ses armoires, tu prends ça. Il n'y a personne pour lui disputer ça. Oh non, moi aussi je t'avais donné les conseils. Non, on lui laisse prendre à tout Seigneur, tout honneur. C'est elle qui nous a aidés à gagner. Judith a aussi droit à un cortège de femmes portant des couronnes d'olivier. Les femmes lui font un cortège d'honneur. On fit même un chœur à son honneur. On chantait pour elle. On chantait pour elle. Je m'arrête là, je fais l'analyse. Beaucoup de chrétiens, par peur de l'idolâtrie ou au nom d'une jalousie divine mal comprise, croient que la meilleure façon de louer le Créateur consiste à dénigrer la créature. Erreur protestante qui est entrée chez les catholiques. Ne pense pas que lorsque tu veux louer le Créateur, il faut absolument abaisser la créature. Non! On dit que les frères de Judas se prosterneront devant lui. On dit que ses frères le loueront, feront son éloge. Dans les bénédictions que Dieu t'accorde, il y a ça. Que si Dieu te bénit, les gens te loueront. Les gens feront ton éloge. Les gens se prosterneront devant toi. Quand Dieu te bénit, c'est ça qui arrive. Les gens vont te louer. Les gens feront ton éloge. Les gens se prosterneront devant toi. C'est ça la bénédiction. Tu veux quel type de bénédiction? Maintenant, quand Dieu le fait pour tel et tel, toi tu résistes, toi tu réjames. Par exemple, les gens qui refusent, alors que la Bible dit, Marie, toutes les générations te diront, bienheureux. C'est elle-même qui prophétise sur elle-même, mais c'est dans la Bible. Donc, nous sommes des générations
qui proclamons Marie bienheureuse. Mais toi, tu es de quelle génération? Ah non, vous commencez à louer la personne, elle va prendre la place de Dieu. Elle va prendre la place de Dieu comment? Comment toi tu sais qu'elle va prendre? Tu crains pour Dieu? Hein? Donc tu trouves Dieu assez incompétent pour être battu par Marie. Le trône de Dieu est stable. Personne ne peut prendre la place de Dieu. Et nous les catholiques, c'est d'ailleurs nous, en recourant à l'intercession de Marie, qui élevons Dieu. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Alors ils se moquent des catholiques. Oh, les catholiques, c'est les catholiques ont beaucoup de respect pour Dieu. Ils disent, nous sommes des pécheurs. Il y a une femme, la Bible a dit qu'elle est pleine de grâce, qu'elle prie pour nous. Et ils ne font pas ça seulement de Marie. Hein. Dans le confiteor, on dit, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints. Et vous aussi, mes frères. Donc les catholiques disent, non. Moi, je peux prier, mais il y a les anges, il y a la Vierge Marie, il y a les saints, il y a aussi vous, mes frères. Priez pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Les catholiques ont donc beaucoup de respect pour Dieu. Ils disent, bon Dieu, quand même, on peut aller comme ça, bon, c'est vrai. Même si moi, je dis, je peux dire ici à l'église, mes frères, je le dis souvent, venez aussi me voir, je suis le curé de tout le monde. C'est ça que j'ai dit, non? Bon, maintenant, si je suis le curé de tout le monde, si tu viens seulement toi, hein, tu es nouveau, mais c'est la bête, venez un peu ici, j'ai quelque chose à vous dire. Parce que c'est ça que nous faisons avec Dieu. Kita, Kita, Kita ya sol. Élément en zambe, Kita. Quelque part, nous donnons des ordres qui descendent. Il faut avoir un peu de respect dans nos prières. Combien de personnes mettent, s'il te plaît, dans leurs prières? Pardon, Seigneur. Il y a une chanson de Franck Moulage où il dit, s'il te plaît, pardon. Mais c'est rare que dans une chanson, on dise à Dieu, s'il te plaît, papa, Kita. Kita, Kita. C'est votre petit frère. Parce que j'entends même aujourd'hui les gens qui font des problèmes quand dans une chanson, il y a une chanson de Dieu, on dit par exemple, Abbé Blaise Ganda, ah, ce n'est pas un problème. Ce sont des créatures de Dieu. Si quelqu'un vient chez toi, il te dit, papa, toi tu es très beau, mais tes enfants sont laids. Il t'a injurié ou il ne t'a pas injurié? Il insinue que ces enfants-là ne sont pas tes enfants. Ta femme peut-être t'a trompé. Si tu veux louer le Créateur, loue aussi les créatures. Oh non, tu es un bel artiste, mais tes œuvres sont médiocres. Mais tu m'as injurié. Dieu ne peut pas être un bel artiste dont les œuvres sont médiocres. Louer Dieu, c'est louer Dieu dans ses créatures. Hein? Regarde ton voisin, dis à ton voisin là, c'est lui qui t'a créé. Hein? Il t'a vraiment créé. Alors aujourd'hui, c'est comme ça. Dans la vie, tu loues quelqu'un. Ah! Lui devient Dieu. Il devient le défenseur de Dieu, mais ça, en fait, il a un mauvais cœur. Ce n'est pas parce qu'il défend Dieu. Non, mais la Bible, on nous dit, on a fait l'éloge de Judith. Dieu a dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira. Je maudirai celui qui te maudira. Bénir, c'est quoi? Dire du bien. Bénédicere. Je dirai du bien à celui qui te dira du bien. Regarde ton voisin. Dis-lui, je te bénis. Tu es beau. Tu es intelligent. Amen. Il n'y a pas de péché à cela. Entends? Quand tu dénigres sa créature. C'est ainsi que dans l'église catholique, nous avons Dieu, nous avons les anges, nous avons la Vierge, nous avons les saints. C'est une manière de louer Dieu. Et c'est pourquoi j'ai toujours enseigné, j'ai dit, le catholique doit être l'homme le plus aimable de la terre. Parce qu'il loue Dieu, il loue ses frères. Déjà, on t'apprend à l'église à aimer la maman de Dieu. Vous voyez votre enfant, il était catholique, il était poli. Une fois qu'il devient sectaire, il devient impoli. Dans son église, on lui apprend à injurer la mère de Dieu. Maintenant, toi qui n'es pas mère de Dieu, il va t'épargner. Son pasteur du haut de la chair dit que Marie est une enveloppe. Alors, s'il dit que Marie est une enveloppe, maintenant, ta maman, ça sera qui? Ça sera quoi? Ça sera papier mouchoir. Si Marie est enveloppe, ça veut dire ton papa sera papier mouchoir. Il va injurer ton papa. Papier hygiénique. Écoutez, c'est que une préface, hein? Lex orandi, lex credendi. La foi d'une église se voit dans ses prières. Tu veux critiquer les catholiques? Prends le missel, lis nos prières, critique-nous à partir des prières. On dit ici, vraiment il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Quand tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Quand nous disons, saint tel était humble, en fait,
nous louons le don de Dieu en cet homme-là. Ce n'est pas cet homme-là laissé à lui-même. C'est cet homme-là en tant que béni par Dieu. C'est ça que Élisabeth dit à Marie. Tu es béni entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Écoutez, on peut louer la créature sans l'idolâtrer. Il est des cas où le monothéisme strict et intransigeant est le nom caché que nous collons à notre mauvaise foi. Il y a des gens qui vont te refuser ta gloire parce qu'ils sont animés de mauvaise foi. Mais pour présenter ça bien, ils vont dire « il n'y a que Dieu ». C'est comme les ingrats. Tu l'as aidé, c'est toi qui l'as aidé, mais il va te dire « toi tu n'es rien ». Tu ne m'aurais pas aidé si mon Dieu ne t'avait pas convaincu. Ingrat. Mais il cite Dieu dans l'ingratitude. C'est vrai, tu m'as aidé, mais j'avais mon étoile. C'est grâce à mon étoile que Dieu t'a convaincu de m'aider. Ingrat, invoquant faussement le nom de Dieu. Amen. Alors il y a des gens aussi, c'est comme je dis souvent, il y a quelqu'un qui peut être prêtre. Il combat un autre prêtre et dit par exemple, « Oh, l'autre prêtre là ne fait pas ceci, ne suis pas la liturgie. » Bon, lui ne suit pas la liturgie. Mais toi, comme tu es défenseur de la foi catholique, tu suis tout ce que l'Église enseigne. Tu peux trouver un prêtre qui a des enfants, qui combat un autre prêtre pour la liturgie. C'est un défenseur de l'Église. C'est un monsieur animé de mauvaise foi. Parce que lui-même, là, il a violé aussi ce que l'Église enseigne. Il faut être humble. Parce que si tu défendais l'Église, tu allais aussi te garder de faire ce que l'Église n'enseigne pas. C'est comme ça que les gens sont. Donc, tu verras quelqu'un, quand il te parle, tu vois que lui, c'est la mauvaise foi. C'est pourquoi il faut aussi s'interroger sur les raisons cachées de nos combats. Pourquoi nous combattons les autres? Est-ce que c'est pour Dieu vraiment? Parce que nous-mêmes, les choses de Dieu là, que Dieu nous demande, nous ne les respectons pas. Mais dès que quelqu'un fait, oh, Dieu est contre ça. Mais Dieu est pour ce que tu faisais là hier. Ne donnons pas à nos mauvaises fois des bons noms. Oh, non du droit canonique. Toi, tu aimes le droit canonique maintenant? Les autres choses qu'interdit le droit canonique, tu les suis? Seulement ça. Un chrétien, même s'il croit en un seul Dieu, le chrétien peut louer son père spirituel en disant « mon père, char d'Israël et son attelage ». Ce n'est pas de l'idolâtrie. Si ton père est béni, ton père est à louer, ton père est à féliciter. Ne pense pas, tu es un chrétien, tous ceux qui louent l'évêque sont des corrupteurs, ce sont des flatteurs. Non, ce sont des fils. Ils reconnaissent la grâce qu'il y a dans l'évêque. Ils reconnaissent la grâce qu'il y a dans leur curé. Ils reconnaissent la grâce qu'il y a dans papa, dans maman. Un enfant à la maison là, loue maman, maman, vous avez bien préparé. Écoutez les grands frères. Flatteur. Que je sois l'ennemi de ma maman. Amen. Ton père a fait une bonne chose, loue-le. Félicite-le. Ton grand frère, mêmement. Ton pasteur, mêmement. Ton évêque, mêmement. Tout homme qui a fait le bien mérite tes louanges. Louons les hommes de bien. Nous sommes toujours prêts à condamner le mal, mais quand nous voyons le bien, nous ne nous extasions pas. Nous ne nous étonnons pas devant le bien. Devant le bien, extasions-nous. Félicitons ceux qui font le bien. Faisons du bruit sur le bien. Et j'ai toujours prêché ici que le bien que nous voyons, nous n'en parlons pas souvent. Mais nous parlons plus du mal que nous soupçonnons. Tu n'as même pas vu le mal, tu soupçonnes seulement, tu répands la nouvelle au sujet d'un mal dont tu n'as aucune preuve. Mais le bien dont tu as des preuves palpables, tu n'en parles pas. Tu es méchant, tu es mauvais, tu es le diable incarné. Donc, quand tu aimes, parce qu'aujourd'hui c'est ça dans le monde chrétien, il y a des gens qui t'aiment, des gens t'adulent, t'aiment par-ci par-là, tu as aussi des ennemis, sois humble, sois prudent. Mais il y a aussi des gens qui t'aiment, pour que quand les autres te haïssent là, tu trouves le soutien chez les gens qui t'aiment. Par exemple ici, si j'ai des problèmes, je sais où je peux aller, je connais des gens chez qui je peux aller, je vais rire. Mais je sais d'autres personnes, si je vais chez eux, sont des problèmes. Amen. Pour notre équilibre, Dieu a mis dans la vie les gens qui nous aiment et les gens qui ne nous aiment pas. Ceux qui nous aiment pour nous réconforter, ceux qui ne nous aiment pas pour nous rendre humbles. Ah, je sais aussi, j'ai des ennemis, bon, pour nous rendre humbles et prudents. C'est ça. Mais bien aimé, je retiens ce soir que Dieu a mis aussi sur notre parcours existentiel des hommes pour nous louer. C'est aussi pour équilibrer. Parce que partout, il y a des gens qui ne font que nous critiquer. Mais d'autres sont là pour dire, mon père, char d'Israël et son attelage.
à ce jour-là, tu es réconforté. C'est comme à l'église ici, je viens à l'église ici, je trouve, tu prêches, quelqu'un dit Amen, quelqu'un dit Amen. Ça te donne la force de prêcher, mais tu vas à un endroit, tu prêches, tout le monde dort. Pas arrêter là d'enseignement. Je dis, bon, mes chers frères, aujourd'hui, je ne voulais pas parler beaucoup. Que Dieu puisse vous bénir. Amen. Parce que quand tu es devant une assemblée hostile, tu limites. Chers frères et sœurs, bonjour. Ils ne répondent même pas. Tu te retires parce que tu vois qu'ils ne veulent pas. Mais il y a des gens, tu prêches dans une assemblée, tu vois que les gens ont soif. Ils veulent encore entendre. Ils veulent encore écouter. Donc, tu peux louer ton père spirituel sans être idolâtre, sans être flatteur. Parce qu'aujourd'hui, c'est tous ceux qui sont derrière les hommes de Dieu, derrière les grands, sont des farceurs, des flatteurs, des idolâtres. Non, je peux aimer un gouverneur, je peux aimer les chefs de l'État, je peux aimer tel et tel. Je l'aime, c'est tout. Sans être flatteur, il y a des gens que vous aimez, ils ne vous donnent rien. Les joueurs, par exemple, vous les aimez, non? Ils vous donnent quoi? C'est seulement la joie là, ah, il va marquer, il va bien défendre, c'est tout. Ils ne savent même pas que nous les aimons. Et même si tu vas, essaie un peu d'aller à Madrid, de chercher Rodrigo pour parler avec lui, s'il va te recevoir. Pourtant, tu peux mourir ici pour lui. Amen, amen. Amen, amen. Même si elle croit à la jalousie de Dieu, une femme peut donner à son mari le titre de mon Seigneur. 1 Pierre 3:6. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Donc, une femme qui craint Dieu, qui aime Dieu, peut appeler son mari mon Seigneur sans tomber dans l'idolâtrie. Donc, on loue Judith, tu peux louer ton mari, l'appeler mon Seigneur. Même si l'on est un monothéiste pur comme Daniel, on peut saluer un roi mortel en ces termes. Ô roi, vis à jamais. Daniel disait ça à Darius. Daniel, un homme de Dieu plus grand que toi, il disait à Darius, un roi païen, ô roi, vis à jamais. Mais Alain Moloto a pris cette phrase-là et l'a adressée à Dieu. Mais c'est une salutation de Daniel au roi Darius. Mais il a repris. Ce sont les paroles de Daniel à Darius. Ô roi, vis à jamais. Vie pour toujours. Il disait ça à Darius. Sans être idolâtre, on peut, sous la motion de l'esprit, dire au roi David, nous sommes à toi, David, et avec toi, fils de Jessé. Paix, paix à toi et paix à celui qui t'aide, car c'est ton Dieu qui t'aide. 1 Chronique 12-19. Donc les gens disaient à David, nous sommes à toi. Nous sommes à toi, David. Ah non, nous sommes à Dieu. Non, non. Dans la Bible, les hommes ont dit à David, nous sommes à toi. Il faut dire seulement que nous sommes à Dieu. Et les gens ont dit ici à David, nous sommes à toi, David. Nous sommes à toi. Nous sommes à toi et avec toi, fils de Jessé. Paix, paix à toi et paix à celui qui t'aide. Tout celui qui t'aide là, qu'il ait la paix, qu'il soit béni. Car c'est ton Dieu qui t'aide. Un autre texte, c'est toujours à David. 2 Samuel 18:3. David veut aller aussi en guerre. Ses soldats lui disent, non, 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 non. Tu ne sortiras point. Car si nous prenons la fuite, hein, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention. Mais toi, tu es comme 10 000 de nous. Tu vaux 10 000 d'entre nous. Ta chute, hein, ne sera pas comme notre chute. Nous, nous pouvons tomber. Mais pas toi. Si toi tu tombes, c'est dangereux pour nous. Tu vaux 10 000 d'entre nous. Et maintenant, il vaut mieux que de la ville, tu puisses venir à notre secours. Toi, tu vas venir quand nous aurons déjà gagné. Tu viendras de la ville pour nous secourir si ça devient difficile. Mais il ne faut pas que toi tu meurs. Parce que si toi tu meurs, les cadeaux l'offrent. Ils ont dit à David, non, toi tu ne peux pas partir. De vous, c'est ça qu'on attend. Protégez. Pas seulement moi, mais tous les prêtres, protégez-les. Ta protection, protège le prêtre. Toi tu ne peux pas aller à un endroit. Toi tu as tes faiblesses, les prêtres ont les siennes. Toi tu vas à un endroit, tu exposes le prêtre. Tu connais les conséquences d'un prêtre exposé. Tu connais combien de gens vont perdre la foi à cause de toi. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la foi. Ils ont un petit rien qui les lie à Dieu. Et ce petit rien-là, ça peut être juste tel prêtre. C'est tout. Amen, amen. Quand les autres exposent vos pasteurs, c'est à vous de les protéger. Protégez vos pasteurs. Vous ne perdez rien. Au contraire, vous gagnez. Que dans ta vie, c'est mieux qu'on te connaisse, hein, comme les défenseurs des prêtres. Comme les défenseurs des pasteurs. Qu'on te connaisse comme ça. Pas que celui qui les livre, celui qui pose. Non! Tu vaux 10 000 d'entre nous. Ah, ce n'est pas de l'idolâtrie. Ils ont reconnu la valeur de David. Non. Si toi tu tombes, c'est grave.
Si un malheur t'arrive, c'est grave. Si toi tu pèches, nous pouvons pécher. Mais toi, il ne faut pas que ça t'arrive. Non. Tu dis, loue aussi tous ceux qui méritent tes louanges, tes éloges. Ce n'est pas tout. Un vrai chrétien maîtrise bien la différence, entre se prosterner et adorer. Dans les Saintes Écritures, il y a de nombreuses prosternations qui ne sont pas des adorations. En Genèse 33, 7, la famille de Jacob se prosterne devant Ésaü, sans adorer Ésaü. En Genèse 49, 8, Jacob dit que les frères de Judas se prosterneront devant lui. Nous avons lu ça. En 2 Samuel 16, 4, Sheba se prosterna devant le roi David. En 2 Rois 5, 18, Naaman, le général syrien, reçoit d'Élisée l'autorisation de s'incliner aux côtés de son roi dans le temple du dieu Rimmon. Comme chrétiens, nous devons savoir que notre champ de victoire loge déjà dans la reconnaissance de nos champions, dans notre respect envers eux et notre facilité à leur faire des compliments, mieux à les bénir. Tu es un champion lorsque tu reconnais tes champions, lorsque tu les respectes et lorsque tu as des facilités à leur faire des compliments, à les bénir. Je prêche ça souvent. Tu aimes la grandeur, respecte les grands. Tu aimes l'excellence, respecte les excellents ou leurs excellences. Que ça soit un trait caractéristique de ta vie. Facilité à dire félicitations et à reconnaître les mérites d'autrui. Je vous l'apprends même en sport. Moi, je suis de Barcelone, mais quand le Real marque, gagne, ne fait pas de problème pour féliciter, pour reconnaître. Et ça, c'est une école dont je veux que vous soyez des membres, vous soyez des élèves, adhérez à cette école. Quelqu'un qui mérite, mérite. Quelqu'un qui fait bien les choses, les fait bien et nous devons le lui reconnaître. Amen. Amen. Sans idolâtrer, on peut respecter quelqu'un. Dis à ton voisin, à tout Seigneur, tout honneur. 4. Chant de victoire. Les hommes et les femmes chantent la gloire de Judith. Reconnaissante envers Dieu et les hommes, elle chante aussi. Elle le fait comme Myriam, Exode 15, 20 à 21. Elle le fait comme Déborah, Juge 5. Elle le fait comme Anne, 1 Samuel 2. Elle le fait comme Marie, Luc 1, 46 à 56. Son cantique, le cantique de Judith, peut nous enseigner ses vérités. 1. La louange. La louange, l'adoration sont des impératifs, des obligations. Louer Dieu au son des cymbales, célébrer son nom, invoquer-le, c'est à l'impératif. Ce n'est pas un choix. Tu es obligé de louer Dieu. Judith 16, 1. Louer Dieu. Dis à ton voisin, louer Dieu. C'est ça le sens d'Alléluia. Alléluia signifie louer Dieu à l'impératif. Alléluia. Louer Dieu. Louer Yahweh. Dis à ton voisin, Alléluia. Et lui répond, Amen. Alléluia signifie louer Dieu. Louer Yahweh. Et lui doit dire, Amen. Dis-lui encore, Alléluia. Qu'il dise, Amen. Alléluia. C'est louer. Alléluia. Louer. Yah. C'est Yahweh en abrégé. Alléluia. C'est là l'argument que nous utilisons contre les témoins de Jéhovah qui disent que le nom de Jéhovah c'est Jéhovah. Alors je leur pose la question, pourquoi dans la Bible on ne dit pas Alléluia? Parce que le Yah là, c'est l'abréviation de Yahweh. Alléluia. Mais dans leur Bible ils disent aussi Alléluia. Ils devaient mettre Alléluia. Louer Jéhovah. Mais on dit louer Yah. Yah, Yahweh. Louer Dieu. C'est ce que Judith dit. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Psaume 150. Est-ce que tu respires? Est-ce que tu respires? Loue le Seigneur. Amen. Donc retenez cela. Notre vie doit être une perpétuelle journée de louange. Oh, aujourd'hui c'est la journée de louange. Toute ta vie doit être une journée de louange. On dit louer Dieu. Alléluia, c'est à l'impératif. Je dis de dire ça. Il mérite. Il t'a donné le souffle de vie. Il te garde et te protège. Tu ne connais pas combien de combats. Il a mené pour toi toute la nuit. Pour que toi tu te réveilles le matin. Tu peux manquer de l'argent. Tu peux manquer ceci. Mais il y a une chose que Dieu t'a donnée.
Les ennemis veulent la prendre, ils n'arrivent pas. C'est cette vie que tu as. C'est ce souffle de vie. S'il ne dépendait que d'eux, il aurait déjà pris cette vie-là. Il te l'aurait déjà arraché. Mais s'il n'y arrive pas, c'est parce qu'un Dieu veille sur toi. C'est pourquoi tu as l'obligation. Je n'ai pas l'argent, mais je vis. Alléluia. Je n'ai pas de travail, mais je vis. Alléluia. Je n'ai pas de mariage, mais je vis. Alléluia. Parce que si je n'ai pas la vie, que viendra faire le mariage? Parce qu'il me trouvera déjà mort. Je compte sur le mariage parce que je suis en vie. J'attends le travail parce que je suis en vie. J'attends les enfants parce que je suis en vie. Alors je bénis Dieu pour cette vie que j'ai, qui est le capital sur lequel, qui est la fondation sur laquelle Dieu viendra bâtir le reste. Louéia! 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 Alléluia! C'est ça le chant de victoire de Judith 2. Les dieux de Judith est un dieu qui brise les guerres en dressant son camp, son état-major au milieu de son peuple. Judith 16, 2. Il y a un temps pour tout, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Le dieu de Judith dit, tu as eu des combats, tu as eu des guerres, mais lui, il est le dieu qui brise la guerre. Nous sommes au chapitre 16. Que Dieu, après le temps des guerres, te donne un temps de paix. Il y a moyen, au milieu de toute cette guerre qui est permanente, que tu trouves la paix. Amen. Amen. Les gens ont dit qu'à l'est, à Goma, il y a la guerre. Mais les gens construisent. Donc la guerre, c'est, oui, dans les villages, oui. Mais ils construisent. Vous voyez des belles maisons. Donc il y a une vie, même pendant la guerre. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi tu restes hors d'atteinte. Ton Dieu, loue-le comme les briseurs des guerres. Tu as la guerre, loue-le. Je te loue Yahweh, tu es le briseur des guerres. Tu es le Dieu qui brise les guerres. Tu dresses ton état-major au milieu de ton peuple. Il y a un temps pour tout, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. 3. L'ennemi peut avoir une armée innombrable, avec un agenda cruel, avec un grand arsenal de guerre, mais il sera battu à plate couture. Assour, chante Judith. Judith dit, Assour, c'est l'ennemi, hein? Assyrie. La Syrie est venue des montagnes du nord. Son armée est venue par dizaines de milliers. Leur multitude obstruait les torrents. Leurs chevaux recouvraient les collines. Ils voulaient incendier mon territoire, faire périr mes jeunes gens par l'épée. J'étais à terre mes nourrissons, livré au rapt mes petits et m'enlever mes jeunes filles. Mais le Seigneur souverain de l'univers les a confondus. Les a confondus. Ils sont venus nombreux, mais Dieu les a confondus. Judith 16, 3 à 7. Cette louange est la confirmation du psaume 20, verset 8. Aux uns les chats, aux autres les chevaux. À nous, le nom de l'Éternel. C'est l'accomplissement de notre thème annuel. Former des projets et ils seront anéantis. Donner des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. L'ennemi peut projeter, monter ses plans. Ça ne réussira pas. Ils ont été vaincus par la main d'une femme. C'est Judith qui a coupé la tête d'Holoferne. Ces choses ne sont pas seulement dans la Bible. Elles doivent être vérifiées dans ta vie. Tu dois expérimenter cela. Quel que soit le nombre des ennemis, les membres de ta famille, les sorciers qui te combattent. Oh bien-aimé, il y a une victoire pour toi. Ils ne vont rien faire. C'est ça que tu dois amener dans ta guerre. La conviction selon laquelle ils ne feront rien. Même s'ils fétichent, même s'ils te jettent un mauvais sort, ils ne feront rien. Ils peuvent t'encercler. Ils peuvent faire des incantations. Citer ton nom. Ils peuvent même avoir l'impression d'avoir gagné.
mais ils ne feront rien. Former des projets, ils seront anéantis. Tu dois les défier ainsi. Former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Dieu annule leurs projets. Dieu annule leurs ordres. Rien ne marchera. Ce qu'ils font là ne réussira pas. Amen. Terminons. Le mode opératoire de Dieu fait éclater notre logique humaine. Dieu a confondu les Assyriens par la main d'une femme. Par la main d'une femme. Lisons le texte. Non, ce n'est pas devant des jeunes gens que leur homme fort a succombé. Ce ne sont pas des fils des titans qui l'ont frappé, ni d'immenses géants qui l'ont attaqué. Mais c'est Judith, fille de Merari. Par la beauté de son visage, elle l'a paralysée. Elle quitta ses habits de veuve pour les relèvements des affligés d'Israël. Elle parfuma son visage, retint ses cheveux d'un bandeau et mit une robe de lin pour les séduire. Sa sandale ravit son regard, sa beauté captive son âme, et le sabre lui trancha la gorge. Ce ne sont pas des jeunes gens qui ont tué leur homme fort. Ce ne sont pas des fils des titans. Les titans sont des géants. La titanomachie, la guerre des titans. Ce ne sont pas des géants qui ont vaincu titans. C'est là que vient l'adjectif titanesque, titanique, quelque chose de grand. Titan, les géants. Ce ne sont pas d'immenses géants qui ont vaincu Holoferne. Mais c'est Judith. Elle-même dit, c'est Judith, fille de Merari, par la beauté de son visage. Donc la beauté du visage est une arme. Par la beauté de son visage, il l'a paralysée. Elle quitta ses habits de veuve. Donc, elle était une veuve, elle devait porter ses habits de veuve. Mais ce jour-là, elle les a quittés pour le relèvement des affligés d'Israël. Elle a parfumé son visage. Elle a retint ses cheveux d'un bandeau. Elle a fait les bandeaux qui retiennent les cheveux là. Et mis une robe de lin pour le séduire. Sa sandale ravit son regard. Sa beauté captiva son âme. Et la conséquence, et le sabre, c'est-à-dire l'épée, lui trancha la gorge. Ces paroles confirment Proverbe 21:31. On équipe le cheval pour le jour du combat, mais la victoire dépend de l'Éternel. C'est le Seigneur qui a transformé la beauté de Judith en arme de destruction massive. Ne méprisons pas les moyens dont nous disposons. Pour nous sauver, Dieu peut utiliser des fils de femmelettes. Dieu peut utiliser un parfum, un chignon, une robe de lin, des sandales. Ne cherche pas de grandes armes. Avec les moyens dont tu disposes, Dieu va te donner la victoire. Ne méprise pas le petit fonds que tu as, le petit salaire que tu as, les petites relations que tu as. Comme je l'ai dit au début, ce sont des trophées, ce sont des CV qui doivent faire fuir l'ennemi. Mais il faut que toi-même tu sois capable de les valoriser. Valorise ton diplôme. N'injurie pas ton diplôme à cause de ton chômage qui se prolonge. Crois que Dieu honorera ses diplômes. Dans tes combats, brandis ton diplôme. Amen. 5. La victoire de Judith, nos victoires, ont toujours un retentissement, un impact sur les nations environnantes. Les Perses et les Mèdes. Écoutez les textes. Les Perses, quand ils entendirent cette histoire, on dit que les Perses frémirent devant son audace, devant sa hardiesse. Les Mèdes furent bouleversés. Alors les humbles de mon peuple poussèrent des cris retentissants. Les faibles de mon peuple hurlèrent et l'ennemi fut terrifié. Ils élevèrent la voix et l'ennemi tourna bride. Des fils de frêles jeunes filles, les fils de femmelettes dont j'ai parlé, des fils de frêles jeunes filles les transpercèrent. Ils les blessèrent comme rejetons des déserteurs et les voilà tués dans la bataille de mon Seigneur. Judith 16, 10 à 12. Amen. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas oublier ces prières fortes. Élevez la voix et l'ennemi tournera bride. Hurlez et l'ennemi sera terrifié. C'est ça que j'appelle la joie. Quand tu cries de joie, quand tu es joyeux, il y a des choses qui fuient ta vie. La tristesse appelle le diable. Invite le diable dans ta vie. Invite l'échec dans ta vie. Mais la joie chasse l'échec. La joie chasse la faim. La joie chasse la pauvreté. Le diable te fait commettre des erreurs graves. Tu prends un air triste pour que tel et tel t'aide. Mais tel et tel vont t'aider à quelle hauteur?
Tu vois ici quelqu'un qui va t'aider avec 10 000 dollars. Ces gens qui sont à côté de toi ne peuvent t'aider qu'avec 5 000 francs, 10 000 francs. Les plus généreux, c'est 20 dollars. Et c'est pour eux que tu es triste. Dieu te dit, sois joyeux. Et toi, tu es triste hein, pour que ton voisin te donne 5 000 francs. Tu fais mal les cas. Sois joyeux devant Dieu. Dieu, s'il voit ta joie, il va te donner. Mais toi, tu es triste devant ton voisin pour qu'il te donne 5 000. C'est pourquoi tu as toujours tes 5 000 francs. L'ennemi est terrifié, est terrifié. Quand tu élèves la voix, l'ennemi tourne bride. Amen. 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 Notre victoire sur le célibat fait trembler les démons de la pauvreté et vice-versa. Notre victoire sur la maladie effraie l'esprit de blocage et vice-versa. Notre victoire sur l'incrédulité est déjà une victoire sur l'esprit de mort et vice-versa. Ils ont battu les Assyriens. Les Perses et les Mèdes ont peur de d'ici qu'il y a des victoires déterminantes. Il y a des gens qui ont peur de se marier. Ils disent, je veux avoir l'argent. Or, c'est ça le piège de Satan. Le Satan dit, je bloque son argent, il ne va pas se marier et ainsi, il sera toujours pauvre. Or, si toi, tu as la foi, tu dis, je n'ai pas l'argent, mais j'ose me marier. Tu vas voir comment Dieu puissant va ouvrir les écluses des cieux. Ah non, c'est l'orgueil. Te fait dire, moi je vais prendre la fille d'autrui pour lui donner quoi. Tu es orgueilleux. Dis à la fille, je n'ai rien. Mais je sais que si je t'épouse, la Bible dit, hein, qui trouve une femme trouve le bonheur. Comme je t'ai trouvé, tu es une femme. Si tu es une femme, tu seras le bonheur. Quand tu viendras dans ma maison, j'aurai les restes. Il y a des hommes qui font traîner les filles. Les filles, elles vous ont demandé le ciel. Les filles que vous voyez ici ne vous demandent pas le ciel. Il faut apprendre de temps en temps à effrayer la pauvreté. Donc comme tu es là, tu dis aujourd'hui, journée internationale où j'effraie la pauvreté. Tu t'élèves, tu portes la veste, tu vas là où vend les véhicules. C'est combien? La pauvreté passe. Oh, c'est quoi ça? Ce monsieur veut m'acheter. Effraie la pauvreté. Effraie la pauvreté. Mais toi tu dis, ah non, je vais prendre la fille d'autrui, je vais lui donner quoi? Toi tu manges quoi? Une télévision avec abonnement. Marie-toi, les jours des cadeaux là, on va t'amener la télévision. On a ça. Oh non, moi, tu vois, il faut que je réunisse d'abord toutes les conditions. Petit, amen. Notre victoire sur la maladie effraie le blocage. Donc, il faut être conscient que si tu gagnes ici, ça ouvre des portes là-bas. Amen. Judith fait un vœu. Elle chantera au Seigneur, grand et redoutable, un cantique nouveau. Je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es grand, tu es glorieux, admirable de force, invincible. Que ta création tout entière te serve. Tu dis et elle existe. Tu envoies ton souffle, elle est créée. Nul ne résiste à ta voix. Si les bases des montagnes croulent dans les eaux, si les rochers devant ta face fondent comme cire, tu feras grâce à ceux qui te craignent. Oui, tout sacrifice d'agréable odeur et peu de choses, encore moins toute graisse pour l'Holocauste est en ton honneur. Mais celui qui craint le Seigneur est grand, plus que tout. Malheur aux nations qui se dressent contre ma race. Le Seigneur souverain de l'univers les châtiera au jour du châtiment, qu'il livre leur chair au feu et au verre. Dans cette épreuve, ils pleureront à jamais. Judith 16, 13 à 17. Ce chant nous est promis à chacun. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction. Du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Psaume 41 à 3. Le chant nouveau. Nous voulons entendre un chant nouveau. Judith dit, je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau. Mon chant sera toujours renouvelé. Nous connaissons tes vieux chants. Je suis célibataire. Ah, tu vas manger où? Mais il y a les mariés ici. Dès qu'ils rentrent chez eux, le chant. Allume un peu le feu. Toi, tu vas les dire quoi? Chant nouveau! Que Dieu mette dans ta bouche un chant nouveau. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Dans le chant nouveau de Judith, c'est la grandeur divine qui est chantée. N'est vraiment grand que celui qui reconnaît et craint la grandeur divine. La vraie grandeur de l'homme consiste à craindre le Seigneur et les siens. Qui est grand si ce n'est celui qui craint le Seigneur? Qui est intelligent si ce n'est celui qui ne touche pas aux oints du Seigneur? Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas du mal à mes prophètes. Ceux qui oseront toucher les oints de Dieu, le Seigneur mettra dans leur chair le feu et les vers, et ils pleureront tous les jours de leur vie. Judith 16, 17. Crains
Il y a beaucoup de gens qui disent, oh, moi je crains un Dieu. Mais il séjourne des loin du Seigneur. Et ici, le loin du Seigneur, c'était Israël tout entier. Quand la Bible dit, ne touchez pas à mes loin, la Bible ne pensait pas seulement aux hommes de Dieu. Les textes là, sur lesquels les pasteurs s'appuient, les loin, c'est tout Israël. C'est tous les peuples qui étaient considérés comme un peuple loin. Mais les pasteurs, nous les pasteurs, nous nous sommes accaparés ce verset en disant, ne touchez pas à mes loin, c'est nous. Les loin de Dieu, c'est vous tous ici. Le jour de votre baptême, vous avez été loin. Nous aussi, nous avons été loin avec vous au baptême, mais aussi lors de l'ordination. Mais nous tous, nous sommes des loin. Amen. Salut ton voisin, dis-lui bonjour loin. Happy end ou happy ending. Happy end est une expression d'origine anglaise couramment utilisée dans la langue française en Europe pour désigner la fin heureuse d'une histoire, notamment dans les films. Le plus souvent, la fin tourne à l'avantage du héros ou de l'héroïne. Les personnages confrontés à des dangers et en difficulté survivent et accomplissent leur mission. Dans cette heureuse fin, il y a 1. Les offrandes, 2. Le veuvage glorieux et 3. L'héritage victorieux. 1. Les offrandes. En entrant à Jérusalem, tous se prosternèrent devant Dieu. Et lorsque le peuple se fut purifié, ils présentèrent leurs holocaustes, leurs offrandes volontaires et leurs dons. Judith y ajouta tout le mobilier d'Holoferne que le peuple lui avait donné et le voile qu'elle avait elle-même emporté de la chambre à coucher. Elle le consacra totalement à Dieu. Donc, ils offrent à Dieu. Ils avaient donné à Judith. Judith, au lieu de prendre, elle prend le lit d'Holoferne. Tout ce qu'on lui a donné, elle offre aussi à Dieu. Vous m'avez donné, je donne à Dieu. Pendant 3 mois, le peuple fut en liesse à Jérusalem devant le lieu saint. Et Judith demeura avec son peuple. Les holocaustes, les offrandes volontaires et toutes sortes d'offrandes sont données au Seigneur. Judith offre à Dieu les mobiliers d'Holoferne que le peuple lui avait donné. Le peuple offrit aussi son temps au Seigneur. 3 mois d'action de grâce. 3 mois d'action. Beaucoup de chrétiens cherchent le travail pendant des années. Mais il loue Dieu pendant quelques minutes. Dès qu'il a le travail, merci Seigneur pour le travail. Et juste après, daigne le garder et le protéger. Amen. Tu as demandé le travail pendant des années, mais tu lui dis merci pendant quelques secondes. Qui a déjà fait une neuvaine d'action de grâce pour une grâce reçue de Dieu? Regardez ces gens. Ils ont fait 3 mois d'action de grâce. 3 mois. Le peuple offrit aussi son temps au Seigneur. 3 mois d'action de grâce. Tu ne connais pas encore la variété des offrandes. Tu la connaîtras quand Dieu te bénira diversement. Tu vois, ils ont offert les holocaustes, les offrandes volontaires et leurs dons. Dans ta tête, tout ça, c'est la même chose. Mais quand Dieu te bénira, tu connaîtras la différence entre holocauste, offrande volontaire et don. Je ne t'explique pas parce que Dieu ne t'a pas encore béni. Quand Dieu te bénira, viens me poser la question. Je t'expliquerai. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église, hein? Ils donnent l'argent seulement à la première quête. Dès qu'ils donnent la première quête, leurs économies sont épuisées. Deuxième quête là, ils deviennent observateurs. Ils deviennent la MONUSCO observant les élections. Amen. Que Dieu te bénisse. Et que tu expérimentes la différence entre les offrandes. Et que tu connaisses la diversité des offrandes. Tu n'as pas encore rendu grâce. Tu rendras grâce. 3 mois d'action de grâce. Que Dieu te bénisse. Veuvage glorieux. Écoutez le texte. Beaucoup d'hommes la désirèrent. Désirèrent qui? Judith. Mais aucun ne s'unit à elle. Durant tous les jours de sa vie, depuis la mort de son mari Manassé, depuis qu'il avait été réuni aux siens, elle atteignit un âge très avancé et vieillit dans la maison de son mari jusqu'à l'âge de 115 ans. Dites Amen. Après avoir affranchi sa suivante, sa servante, elle mourut à Béthulie et on l'ensevelit dans la grotte où reposait son mari Manassé. Maintenant, toi, tu es une veuve. Tu étais la femme de Manassé. Après Manassé, tu as encore un autre, c'est pas qui, Manassé. Maintenant, quand tu vas mourir, on va t'enterrer à côté de qui? Elle a dit, moi je reste fidèle à mon Manassé qui est mort. Je ne vais épouser personne d'autre. Je suis resté dans le mariage autant d'années. Mon mari est mort, je reste veuve. Combien de femmes
à la mort de leur mari resteront veuves sans se remarier. Les hommes veulent bien épouser Judith, mais son cœur est tellement donné à Dieu qu'il n'y a plus de place pour un mari. Elle a sauvé Israël, elle veut épouser les intérêts de tout Israël. Elle meurt chez elle. Elle est allée mourir à Béthulie. Elle n'est pas morte en Europe. Elle n'est pas morte aux États-Unis. Elle est morte chez elle. À 105 ans, elle rend la liberté à sa fidèle servante. Et elle partage ses biens à sa belle famille et à sa propre famille. Quand elle meurt, elle dit, belle famille, prenez. Famille, prenez. Enfin, héritage glorieux. Mettons-nous debout. Nous allons lire la fin du livre. Debout. Durant les jours de Judith, personne n'osa plus inquiéter les fils d'Israël. Et cela dura encore longtemps après. C'est comme ça que le livre se termine. Bon, j'explique. Judith a mis son peuple sur le boulevard triomphal, sur l'autoroute de la victoire. C'est encore là qu'il l'a laissé. Jésus-Christ l'a fait à Golgotha, mieux et plus que quiconque. Chacun de nous est invité à faire de même, vivre, marcher, demeurer sur le boulevard triomphal de la vie et y laisser les nôtres, notre pays, notre église, notre paroisse. Laisse-nous sur le boulevard triomphal, laisse-nous sur l'avenue de la victoire. Tu y as gagné, laisse-nous dans la victoire. Judith a marché sur le boulevard triomphal et il y a laissé son peuple. J'ai dit ceci, que l'on dise et confirme cette parole sur notre postérité. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité et béni. Bien-aimés, nous venons à la prière, pas seulement pour nous-mêmes, nous venons pour notre postérité. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni son enfant, sa postérité mendier le pain. Que Dieu te bénisse et bénisse ta postérité. Quelle est grâce que Dieu va te donner, elle soit assez abondante pour qu'il en reste pour tes enfants. Eh bien-aimé, est-ce que tu imagines un jour que tu es mort et que tes enfants commencent à mendier le pain? Que tu es mort jeune et tes enfants mendient le pain. On commence à les chasser. Ils sont allés chez l'oncle. On les chasse, ils vont chez la grande sœur. Chez leur tante, on les chasse. Et tes enfants deviennent les enfants de la rue. C'est pour vous dire, aujourd'hui tu as un peu de bénédiction. Aujourd'hui tu manges chez toi. Tu es sûr que chez ton enfant on mangera? Mais que ta postérité demeure en bénédiction. Que Dieu te bénisse abondamment, au point qu'il reste bénédiction pour tes enfants. Amen. Que c'est grâce ici que tu pries Dieu, tu aimes Dieu. Tu es là jusqu'à 7 heures parce que tu aimes Dieu. Que cela reste dans tes enfants. Amen. Que tu aies des enfants qui aimeront Dieu, qui s'attacheront à Dieu, qui serviront Dieu. Tu es choriste, tu seras heureux si tu vois aussi ton enfant chanter pour Dieu. Servir Dieu. Mais tu as des enfants qui te disent, maman, Dieu n'existe pas. Maman, moi, je ne peux pas prier. Maman, moi, je vais toucher au fétiche. Tu vas pleurer. Que ta postérité soit bénie. Amen. Vis sur l'avenue de la victoire. Amen. Vis sur le boulevard triomphal. Amen. Et laisse-y ta postérité. Amen.